Bon matin tout le monde! Ça fait tellement longtemps que j'ai pas vlogué. Je suis tellement contente. C'est jeudi le 13, puis j'ai congé aujourd'hui. Ouais, je suis vraiment contente. J'ai congé comme... Je travaille pas à la garderie pendant 5 jours. Je suis comme, oh my god, comme une semaine de vacances. Mais ouais, non, je travaille au garage par exemple. Mais bref, tout ça pour vous dire que aujourd'hui je vlog parce que moi et Cheryl, on s'en va à Québec. Parce qu'on s'en va à l'événement Pop-Up Shop de Sarah Couture. Sarah Couture qui a le blog Les Trouvailles de Sarah. Elle nous a demandé si on voulait faire partie des kiosques avec Brico Chou. Fait que on s'en va là pour vendre nos chouchous. Fait que je suis vraiment contente. Puis là, il est comme 8h du matin. On part vers 10h. Fait que là, Cheryl est dans la douche. Puis moi, faut que je prépare mon sac. Parce que j'ai pas fait mon sac encore. Choisir mes outfits et tout. Donc, l'event est ce soir à 5h. Jusqu'à comme 10h, je pense. Puis, on a réservé un Airbnb pour dormir ce soir à Québec. Parce que c'est quand même 3h de route. Fait que on voulait pas revenir après... À 10h le soir, là, on aurait bien trop été fatigué. Fait que on va dormir dans un Airbnb. Puis on monte avec une autre fille qui s'appelle Valérie, qui elle aussi, elle a sa compagnie. Dans le fond, c'est Creatival, c'est des bijoux, je suis sûre que vous la connaissez. Puis on monte avec elle, puis elle va dormir avec nous au Airbnb. Fait que c'est ça, je suis bien excitée. Fait que là, en plus il fait full beau dehors, wow, je capote. Fait que faut que je prépare mon sac, puis je vais vlogger comme, je vais faire un vlog de 2 jours, ou sinon un jour si jamais comme c'est trop long, parce que je risque vraiment de vlogger beaucoup. Fait que c'est ça, j'ai hâte de vous montrer la soirée ce soir, donc je vous amène avec moi aujourd'hui. Donc, Cheryl est là. J'ai dit que t'étais dans la douche tantôt. Oh, pour vrai? Ouais. On s'est fait un petit déjeuner maison parce qu'on a renoncé à aller déjeuner au restaurant. Ouais, à contre-cœur. Ouais, mais pas le choix. Mais même affaire, là, ça va être bon. Genre, petit matin avec fromage et dinde. Et petit coffee. Petit coffee, bien évidemment. Fait que là, il est rendu genre... 9h. Bientôt 9h, faut partir dans comme 1h. Fait que on va manger, puis on va se préparer, puis on va s'en aller à Québec. On se parle tantôt. Hello! Donc, petit update. Hello! Il fait tellement beau dehors, je capote. C'est fou! C'est malade. En ce moment, je crève avec mon manteau et mon foulard. Dans pas long, je vais l'enlever. Il faut l'enlever. Puis, on est prête. Il est 10h30. On est en route vers Québec, mais pas encore tout à fait. Faut arrêter au Walmart, acheter quelques trucs. Puis, aller chercher Val. Donc, voici de quoi a l'air la moitié du char rempli, parce qu'on a laissé l'autre moitié pour Val pour mettre tout son stock aussi, parce que on avait comme pas pensé à ça au début. On était genre, ça va rentrer finalement, c'est parce qu'on sait pas elle a combien de stock non plus. Fait que j'espère que ça va rentrer. J'espère que ça va rentrer. Fait que en plus de nos 3 sacs de bagages. Fait que on est en route, fait que je vais vous update plus tard. On a comme 3 heures de route à faire, donc une chance qu'il fait beau. Puis faut être comme à 2h, 2h30 pour aller monter notre kiosque. Fait que je vais filmer ça tantôt. À plus! Donc, nous sommes rendus avec Val. Avec tout le genre le mess qui se passe là. Ça rentrait quasiment pas. C'est Creatival, celle qui savent peut-être. Elle fait des bijoux, genre full beau. Fait que vous irez voir son site. Petite pub. Puis là, c'est pris. Des cafés glacés! La vie des cafés glacés! Du McDo, c'est trop la vie, pas le choix. Fait que, on est en route et puis nous allons être là dans 2h30 à peu près. Ouais, 2h30. Fait que, on va se reparler tantôt quand on va être rendu à Québec. Puis qu'on va vous montrer l'event. Fait que, à plus tard! Trop hâte pour vrai! Bye! Bye. Ouais! Ouais! Nous avons fait un petit arrêt. Oui, petit lunch sur le bord de l'eau. On est où? On est-tu? Non, on n'est pas à Québec, là. On n'est pas encore à Québec, hein? Quand je vois. Mais
capitale mondiale. Non, ok, non. Des poissons des Chinois. Ok, non, c'est pas ça. Je sais pas si on est à Québec, mais en tout cas, sur le bord du fleuve, là. Non, rivière. Fleuve Saint-Laurent. On est à Trois-Rivières. Hey, je suis nulle avec la géo. On est à Trois-Rivières, bon. Ben, c'est le fleuve Saint-Laurent, là, je pense bien. Non, je te dis ça. En tout cas, c'est vraiment beau. C'est ce que j'ai à dire. Attends, je pense que t'as raison. J'aurais l'air moins conne si j'ai raison. Oui! Oui! C'est ça! Wouhou! Fait que, ouais, c'est vraiment beau. On mange notre petit lunch, puis il nous reste comme, quoi, 45 minutes de route, genre, 40? Attends. À peu près, là. 53. Bon. Fait que... c'est ça. Ben, à 10 minutes près. Fait que... on enjoy le soleil. Enfin, bye. Le soleil. Enfin. Donc, on a terminé de faire le montage de la table. Ta-ta-ta-ta. Avec notre belle pancarte. Bricot chou. Oh my god. Fait que ça, c'est les petites fleurs pour printanier. On n'a pas encore mis les choux parce qu'on faut revenir pour terminer. On a changé les petites boules. Rose et blanc comme notre logo. Avec ses amis, genre, il était comme 5 filles. Ah, c'est pas les filles. Puis, comment vous trouvez notre table? Ben là, ils mangent les choux, hein? L'essentiel. Ouais. Mais ça fait vraiment un bel impact. Mais les fois, en vrai, je pense que c'est au micro. Qu'est-ce qu'ils ont passé des fleurs? C'est trop too much. Moi, j'aime ça. À suivre. Moi, j'aime ça. Je sais pas. Qu'est-ce que t'en penses? Ça met vraiment l'accent sur les fleurs. Moi, je pense que l'idée, c'est de mettre l'accent sur les produits. C'est sûr que ça attire l'attention. On dirait que ça n'a pas rapport avec notre produit. Trop de fleurs. On va voir. Je sais pas. Avec les choux, c'est tout le monde. 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 Bon, ben, à suivre, gang. À suivre. Donc, on est rendu à l'auberge. Finalement, c'est un auberge. Finalement. Ben, c'est ça. On pensait que c'était genre chez quelqu'un, mais c'est un auberge. Secret. Et c'est vraiment un labyrinthe. Ça rentre jusqu'à notre chambre. Comment on va faire pour se retrouver si on est drunk? Si on est drunk. C'est quoi le numéro? C'est là? 241. Oh. J'aime tout trop ça tout le temps, genre découvrir la chambre. Ça marche pas. Peut-être pas du bon bord, je sais. Ça m'étonnerait que ça soit pas en haut. Ou l'autre bord, mais l'autre bord. Mais je venais juste à le faire. C'est ça une autre carte. Ah! Ok, là, j'ai fait la même affaire. On a une salle de bain! Oh my god! You! Une chambre! Ok! Check ça! C'est dans ok! Puis on est pas pour aller dehors! Pas les dehors! Direct dehors! Ouais! On se parkera là. Ok! Hey. Mezzanine avec comme. Chambre en haut! Ça sent. On ça, a aéré un peu. Ça sent le vieux, ouais. On a-tu un balcon on pour a eux? Un balcon! Nice! Avec une inondation, attention. Genre, on peut stationner là, genre, puis rentrer par là. Ouais, il y a un escalier. Ah! Cool. On va aérer un peu. Ouais, bonne ça bien. Sent le renfermant en esthétique. On dirait qu'il y a quelqu'un. Ça fait longtemps qu'il n'y a pas quelqu'un qui est venu ici. Là. Voyons voir la mezzanine. Ouais, ça va être cool. Ah, la porte est. Oups! Il y a un lavabo en haut! Genre le lit. Ah, c'est full up! La télé. Puis un lavabo. Tu sais, d'un coup, que genre tu vas aller aux toilettes puis monte en haut jusqu'à te laver, pour te laver les mains. Genre. Ah, ben c'est cool! Trop hot! Genre, c'est convivial, là. C'est ouais, comme. On va être bien, là. Pour une nuit, hein. C'est cool. Bon, là, il y a okay. On s'est préparé tout ça, genre, pour comme, être là, là. Je sais. On est tout à temps. On n'a pas calculé le trafic. On est hyper beaucoup du monde de Québec. De 5 heures. On est vraiment late. Les ouais. portes ouvrent maintenant. On est dans le trafic pour encore 15 minutes. 15? Attends. Ouais, 14 minutes. Ça fait pas une, c'est pas une demi-heure, dans le fond. Ouais, non, ça fait déjà 15 minutes, là. Ouais. Puis, on n'avance pas. On avance, c'est la détresse.
c'est le trafic partout. Puis le pop-up shop, il ouvre, là. Puis on n'est pas là. Nos produits sont pas installés. Oh non, c'est la détresse, là. Mais une chance, par exemple. Parce que si on avait mis nos produits tantôt, puis qu'on aurait pas été là, ça aurait été pire, là. Les clients. La débandade! La débandade. Parce que contexte. Notre table est montée avec tous nos trucs, mais on a juste pas mis nos produits parce qu'on est retourné changer à notre auberge jeunesse. Ouais, finalement, c'est une auberge jeunesse. Fait que le temps qu'on check-in, qu'on change, que ça nous a pris genre 10 minutes, puis on est reparti, puis là, à la banque, c'est ça qui a fait que là, on est en retard. Et puis s'il n'y a pas de parking, tu nous dropperas à l'entrée principale. Non, ouais. J'irai me parker plus loin, là, pas de stress. Ouais. Fait que, en tout cas, là, on est vraiment stressés. Non, ça va bien aller. Je vais courir dans pas le choix, là. Fait que... Ok, guys, je sais pas si vous m'entendez, là, mais notre table est rendue un essai de mire. Avec notre pancarte. Avec notre pancarte. Je sais comment tu te sens. Oh my god, je me sens. Pris au dépourvu, hein. Je peux pas comprendre, c'est vraiment le bordel. Genre, salut gang! On voulait juste vous dire l'événement est terminé maintenant. Fait que ben ça c'est comme tantôt là, il n'y a plus rien. On a tellement pas eu le temps. Insane. On n'a pas eu le temps de bugger une seconde. Aïe, ah, yo! Okay. J'ai bloqué un petit clip là, mais on m'entend ça dans rien, c'était n'importe quoi, mais je l'ai mis. Ouais. Bon. Bref, c'était insane. C'était incroyable. Il y avait tellement de monde là. Comme il y avait 1 million de personnes ici. Puis il y avait moi puis Amé qui était là. Blablabla. On essaie de parler à 8 personnes en même temps. Honnêtement, on a plus d'inventaire. Fait qu'attends ton épée. Bon, on s'en va. Bye, petite chambre. On est le lendemain matin. Oh! Cette porte, ok. Salut les girls! Vous allez voir le labyrinthe. Hey, le labyrinthe, c'est vraiment un labyrinthe, je vous jure. Fait que, on est le lendemain, il est 10h30 et on part et on retourne au Bercail. C'est vraiment beau, ouais. Ouais. Full de full. Creatival represent. On est les teams des entrepreneurs, entrepreneuses. Hey, j'ai-tu mon téléphone? Ok, oui. Moi, c'est... Oh, mon téléphone, je le cherche tout le temps. Fait que c'est ça. Donc, c'est ça. J'ai pas rien à dire, dans le fond. Hier, on est allé... Hein? Vous avez manqué un petit déjeuner. Ah, oh, ouais, j'ai pas vlogué le petit déjeuner. On est allé déjeuner en bas, pis c'était bien bon. Puis c'est ça. Fait que, on va se reparler plus tard. Bye! Allô les filles! J'ai pas eu la chance de conclure mon vlog de tout l'événement et de Québec, donc je voulais juste faire une petite conclusion. Là, on est comme le lendemain du dernier clip que vous avez vu, on est genre samedi soir. Puis c'était vraiment cool l'événement, honnêtement, j'ai pas tant pu vlogger, c'est ce que j'expliquais, parce qu'on était tellement dans le jus, il y avait tellement de monde, c'était juste malade, puis comme... C'était Sarah Couture qui organisait l'événement. Elle est tellement fine, honnêtement, là, comme elle est trop, trop sweet. Fait que merci beaucoup de nous avoir permis de faire partie de ton événement. Puis comme on a vraiment, vraiment aimé ça, c'était vraiment cool. Puis avec Val aussi, Creatival, on a tellement eu de fun, honnêtement. Comme c'est ça que je disais aux filles, j'étais comme, c'est la deuxième fois qu'on se voyait de notre vie. Comme moi, Cheryl, ça, puis Val, en tout cas. C'est la deuxième fois qu'on se voyait de comme notre vie, puis j'avais l'impression qu'on se connaissait depuis toujours. Comme honnêtement, quand t'es allée la chercher, je me suis dit, j'étais sûre qu'on s'était déjà vu plein de fois, puis t'es comme non, on s'est juste vu une fois. Puis c'était à un autre événement, genre. Fait que c'était vraiment cool, on a vraiment eu du fun, on a eu une full belle complicité durant ce petit
petites vacances. Fait que j'ai vraiment aimé ça. Ça m'a vraiment fait du bien, genre, vu que je travaille comme à tous les jours. Ça m'a vraiment fait du bien d'être 2 jours off à Québec. Fait que c'est ça. J'espère que vous avez aimé le vlog. Si oui, ben faites un petit thumbs up. Puis si j'ai d'autres petits événements de même, c'est sûr que je vais revlogger. Puis c'est ça. J'espère que vous avez aimé. Puis sinon, ben je vous dis bon samedi soir. Même s'il sera pas samedi soir quand vous allez écouter ça. Mais je vous dis bon samedi soir. Puis on va se revoir dans une prochaine vidéo. Bye! What you gonna do with that dessert? Do what?